Bonjour et bienvenue pour l'épisode 12 de la campagne de Ruse. Alors aujourd'hui on va défendre Bastogne. Donc dans l'épisode 11 on s'était replié parce que les Allemands sont vraiment chiants. Donc là on doit défendre Bastogne. Établir vos défenses. Établir. Donc j'ai 2 minutes pour faire des défenses. Alors je dois défendre 3 flancs. Front. Celui-là, celui-là et celui-là. Alors on va mettre des bunkers anti-char vu que j'en ai pas du tout. Ça c'est des mitrailleuses, ouais. On va plutôt, je vais vraiment en mettre un là. Un là. Et là. Je vais aussi en mettre un là, vraiment au cas où. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Une caserne, est-ce que j'en ai une? Non, je vais la mettre ici. Est-ce que j'ai ça? Non, je l'ai pas. Est-ce que j'ai une base de blindés? Oui, j'ai une base de blindés qui est très loin d'ailleurs, c'est dommage. Il me faut plus de recos. Donc alors, en base de blindés, les chars Chaffee. Allez, on va les faire. Je vais faire plus de Sherman, donc je vais les mettre surtout au milieu. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai de plus dans la caserne? J'avais déjà fait les Rangers. C'est pas grave, en tout cas il faut que je les repasse. Donc là je me fais violer. Ah, je peux... ah oui, j'ai rien dit. Donc j'ai les canons que j'avais mis... durant les deux la dernière mission, et ben je les ai là. Donc je vais les répartir bien. Y a intérêt. Voilà. J'en ai mis un petit peu partout. Faut que je fasse plus de... Déjà je vais mettre 2 Sherman ici. Quoi? Oh non! Donc il va vraiment falloir que je sécurise cette zone. Alors... Ah oui, j'ai des Beauforts, donc c'est des unités anti-aériennes, donc je vais les mettre un peu dans la ville. Voilà. Est-ce que... Alors déjà je vais mettre des trucs pour... pour les... Comment dire? Quoi? Ils vont capturer tous mes dépôts ou quoi? C'est quoi ce délire? Bon, faut absolument que je recapture ça là. Tenir pendant 12 minutes. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, des soldats. Déjà, je vais faire un petit peu plus de chars légers, genre 3 ici, parce que je vais attaquer. Et 4 d'infanterie. Voilà. Alors où est-ce qu'on m'attaque? On attaque ici. C'est du Sherman. Oui, je parle pas trop là, j'essaie de réfléchir. Cette mission là aussi, elle est assez compliquée. De panthère. Oh là, mais c'est quoi cette portée de malade qu'ils ont là? Oh là là.
Ok, donc là je peux attaquer ici pour reprendre ce dépôt parce que franchement, voilà quoi. Ah, il me faut une reco, ça serait bien. Ça serait même impératif. Oula, ils vont détruire mon canon là. Il faut absolument que j'ai. Il me faut une reco ici, donc elle est où là? Elle est là. Pourquoi ils sont plutôt pas mal dans la forêt? Position de mitrailleuse détruite. Et merde. Oh putain, ils sont juste. Oh putain, un tiger! Non mais ils sont vraiment sérieux les mecs là. Ils sont genre trop sérieux. Faut que je les rentre dans la forêt, les canons. Je dis les canons. S'il te plaît, merci. Hop, toi rentre dans la forêt, toi approche-toi de la forêt. Donc faut absolument que j'envoie ça à l'intérieur. Et les chafis. Putain. Oh là 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 là. Super, il l'a mis en déroute. Allez, avancez, avancez, avancez. Hop, toi, capture. Toi, avance un tout petit peu. Ok, donc maintenant je contrôle la forêt, c'est déjà bien. Par contre là, ça va pas du tout. Ouh là là là, ça va pas du tout non plus. Il me faut plus de canons anti-char. Il me faut plus de chars aussi. Je vais faire deux chars mal de plus. Super, attaquez, attaquez, attaquez. Non, attaquez pas, attaquez pas. Toi, attaque par contre. Voilà, au moins là j'ai sécurisé ce dépôt, je vais avoir un petit peu plus d'argent. Donc Blitz. Non, je me suis trompé, je voulais pas le mettre là. C'est pas grave. Sérieux? Ah oui, c'est-à-dire que je peux envoyer des avions bientôt. Oui, parce que selon roleplay, il fait un peu trop pas bien au niveau du temps pour. Oui, c'était très français ce que j'ai dit. Il fait pas très beau pour, en fait pour décoller les avions. Oula oula, c'est donc que. C'est plein de panthères et tout, c'est super résistant les panthères. Donc ces trois chars là, ça va, ça tient. Ça tient aussi ce canon là. Ça va. Ils sont juste résistants. Mais c'est un truc de malade comment ils sont résistants. Ouais, bah je vois ça. Ouais, ouais, un peu qu'ils intensifient leur attaque. C'est quoi ça? C'est deux stug à l'attaque. Il faut absolument que je tienne quoi. Putain, merde. Nous encercler par où? Merde, par en bas. Deux chafis, je pense que c'est suffisant. Ça va, tous les chars commencent à clamser. Je vais regrouper mes infanteries. Il va y avoir une petite baston là. C'est quoi ça? C'est un Siegfried? Ouais, je vais pas l'attaquer. En revanche, ici, ils ont détruit mon canon anti-char. Merde, revenez, 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 revenez. C'est des mardeurs, putain! Des avions? Oh, je peux faire des avions! Ok, direct. Reco, 2 P40, 2 Thunderbolt. Ah, ah, je me sens un petit peu mieux quand même là. Bon, allez, vous attaquez-moi et vous allez. Oh, les bâtards. Ouais, il a mis le truc là qui inverse les jetons. Ah, bah, heureusement que j'ai fait un bunker anti-char, hein, j'ai anticipé. Voilà, alors je vais faire décoller Marocco direct. Oh merde, bombardier. Putain, bombardier. Abattez-le, 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 abattez-le.
Oh, il va me raser un truc là. Oh, je sens pas. Ouf, bien joué. Bien joué. Allez hop, décoller, décoller, décoller. Allez, alerte, mais décoller là. Alors. Alors, moi je le dis direct. Toi. Non, danger, danger. Putain, ils sont puissants les. Ils sont neuf. Oh, hop. Abattez-le. Alors, bombardier, toi, tu vas abattre ce char de merde et celui-là. Je vais faire bunker anti-tir détruit. Oh, fais chier. Oh putain, non, c'est une blague. King Tiger. Repli, 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 King Tiger. Le King Tiger, mon gars, mais c'est un Tiger, mais en plus fort. Et deux Thunderbolt de plus, là. Ah, mais il est en déroute. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. J'ai paniqué pour rien. Allez, chasseur bombardier, abattez-le. Des mardeurs. Plein de Panzer 3. Ouais, je sais pas. Encore deux Tinkitinkin, mais non, mais c'est. En fait, ils ont trop cru, c'était la fête, là, les Allemands. Et... Oula, c'est quoi ça? L'infanterie, faut que je rapproche l'infanterie ici. Oh là là, il y a trop de front à truquer là. Oh là 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 là, je peux pas tout gérer là. Je peux vraiment pas tout gérer en même temps. Pourquoi ils envoient des bombardiers? Oh non, pas l'aérodrome. Oh, oh les enfoirés. C'est pas des bombardiers. C'est des avions de parachute. Des parachutistes. Allez, faut que je tienne encore quelques minutes. Oh, j'ai trop de trucs à gérer là. J'avoue que moi je perds le. Allez, attaquer, attaquer, attaquer plus vite. Faut que je fasse mes deux chefs là. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, heureusement que je l'ai fait. Là, par contre, ici, il progresse. Il progresse dangereusement. Faut que j'avance un petit peu cela. Ce canon là, je vais l'avancer un petit peu. Le reste ça devrait aller un peu mieux. Ouais, le reste je gère. Je vais faire un M15, c'est super fort ça. C'est un char anti-aérien, ça fait qu'il peut tirer en mouvement, ce qui est pas mal du tout. Allez, 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 on va le détruire. Allez, allez, on le détruit. Je décolle mes chasseurs. Les unités mobiles ne peuvent pas se cacher dans les bois, ça je savais. Ok, super. Allez hop, attaquez-le, attaquez-le. P47, tu l'attaques ou quoi? Qu'est-ce que je vais faire de plus là? Je vais rapprocher un peu Marocco. Donc ici franchement ça va, j'ai tenu. Ah oui, j'ai carrément bien tenu. Ah oui, je suis fier de moi là. Franchement j'avoue que par rapport à d'autres fois que j'ai fait cette mission, je gérais un petit peu moins. Là franchement je l'avoue que je gère un peu mieux qu'avant. Oula! Que je prenne un char il faut un char léger là. Voilà, qu'est-ce que je peux faire là? J'aimerais bien faire deux bombardiers pour détruire ce. Ah bah il est détruit. Attends, je vais envoyer la reco là bas pour voir s'il n'y a plus le bloc Siegfried. Moi je vais attaquer tout ce qu'il y a là bas hein. Alors je saigne du nez, deux secondes. Voilà, c'est bon. Plus qu'une minute trente, hein, c'est nickel ça. Ça va, j'ai bien tenu. Donc oui, il n'y a plus le blocus. Ah si, il est là. Donc bah, je vais envoyer trois chasseurs bombardiers et un bombardier le détruire. Moi j'y vais en mode YOLO. Alors, franchement, il est bien placé celui-là. Hein. Ah, il est vraiment bien placé. En plus, il n'y a pas d'anti-aérien, mais c'est juste nickel. Et puis le bombardier, il est là, je vais mettre un petit bibits. Ah, normalement il va l'achever. Je vais faire un bombardier de plus. Et après un truc là, qui s'appelle un Thunderbolt. Bah,
Voilà. Allez, P40, s'il te plaît. P47, pardon. C'est bizarre que le P40, il est pas aussi efficace que ça. En vrai, il était juste over-cheaté. Allez, quoi, il me manque un dollar. Bien. Bon, bombardier. Hop. Hop, je vais envoyer deux trucs, détruire le puma. Toi, tu vas être mort. Et toi aussi. La reco, je vais l'envoyer plus par là. Hop, j'envoie les deux chasseurs escortés. Oh, puis j'ai terminé, mais ça a mis la petite musique de défaite, c'est bizarre. On a réussi. Patton, Blood and Guts est là et les Boches se replient. Yeah! Ça va, franchement, j'ai cru que ça allait être un fiasco. Bon, en même temps, je suis en facile, mais croyez-moi, c'est assez... Bon, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a trop de choses à faire en même temps, on t'attaque de partout, du coup, c'est chaud. Phew. Bon, les amis, les chers abonnés, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, hein, me dire ce que vous pensez, ou de ce que je devrais faire, ou d'un autre jeu que je devrais tester, ou n'importe quoi. Dites-moi tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 13. Salut.